إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Tout rendu par Allah subhanahu wa ta'ala, nous envoie la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs en islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire toujours dans surat al-Baqarah, Ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan nasu, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum min nafs. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Ce paragraphe est un paragraphe très important dans la vie de tout musulman. Allah subhanahu wa ta'ala, première communication directe entre le Créateur avec Insan. Allah subhanahu wa ta'ala, premier depuis Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jusqu'à nous arrive sa verset là, Ya Yuhannas. Allah, premier communication directe qu'il y cause avec l'humanité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, in sevi harfun nida. Ben qui fait arabe, je te connais. Harfun nida veut dire ça, ya et qui fait Allah fin siavi ya ayyuhannas qui fait les pandiers ayyuhannas ayyuhannas mais ya ayyuhannas. Alors nous comprenons que insan li préoccupé sur la tête fatiguée, sur la tête dans les autres petites choses. Les galop de dunya, les galop de madame, les galop de l'argent, les prend tracas qui justifiés, les prend tracas qui injustifiés, les blier même, les blier lui-même, les blier manger. Mais un djimoun de son état, pareil, vous pouvez vous aller, vous comprenez. Combien de fois arrive-vous ça? Djimoun peut vous aller, madame peut vous aller, vous pouvez attendre. La tête fatiguée. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala, comme si il peut montrer nous, ya, et c'est lui qui de raflate, et c'est lui qui peut préoccuper avec des choses inutiles, et ben qui joute la tête, peut fatigue pour rien. Écoute ça qui plie important. Peine à plie important que parole Allah. Peine à plie important qui sauve tout la peau, frère en islam, avec différents fers. Alors donc, délaisse les autres préoccupations. Quand Allah peut causer, connaît qui simple plie important que ça qui te peut faire là. Alors donc c'est pour ça que Abdullah bin Abbas radiyallahu an il dit que quand Allah subhanahu wa ta'ala tu peux dire ya ayyuhal ladhina amanu au ban kina iman, nous tu peux veut dire donne l'attention qui peut causer là, nous arrête tout nous via ça veut dire message. Alors pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala peut rappeler nous réalité insan, nous attire sur l'attention. Je rappelle les idées raflettes. Allah subhanahu wa ta'ala, commencement de surah Baqara, fin cause concernant ben muttaqin. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, fin cause concernant ben munafiq, ben munafiqin. Allah subhanahu wa ta'ala, puis cause premier communication, premier dialogue entre le Créateur avec insan, in servi nas. Ya ayyuhan nas. Alors, contextuellement, quand ça vient, c'est là qu'il descend dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le terme Nas, tu peux adresser avec Ban Kafir, dans Makkah. Pareil comme Abdullah bin Abbas mentionne ça dans Tafsir al-Baghawi. Abdullah bin Abbas dit,
quand la servi Nas les pécos et puis refait à ban mushrik Makka quand les servi amanu alladina amanu les servi avec ban sahaba. Alors mais dans nos contextes Allah subhanahu wa ta'ala quand les servi ayyuhan nas veut dire l'humanité en entier, parce que le Coran là n'est pas spécifique pour l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Coran est universel et les dépasse tous les temps. Je veux dire qu'il lit pour tous les temps sa Coran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala veut dire ya ayyuhan nas. Qui ne comprend pas ça? Parmi les choses qui est important, message indirect, l'obligation faire ça chrétien là connaît, faire ça hindou là connaît, qui a l'indire parce que message là pour lui ça. Message là pour lui ça, pas pour spécifiquement musulman là. Allah veut dire ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Mais quand il trouve ce message-là, il trouve le Coran. Est-ce que chrétien a lu le Coran? Non. Est-ce que juif a lu le Coran? Non. Est-ce que hindou a lu le Coran? Non. Mais Allah peut dire ya ayyuhan nas pekozali. Et c'est ma Coran là qu'il s'est trouvé. Dans quelle case il trouve? Il trouve dans la case sa mu'min. Ça veut dire amanat que Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre dans nos lames. Qui ne peut pas le répondre pour ça? Mon quitte un passé pour bailler un tel dans la main. On ne sait aussi pas l'Angleterre, bah, on quitte ça à où? Après, on donne. Mais on a pour rendre compte, mon quitte ça à qui on fait ça? On perd lui ou bien on oublie lui après des ans qu'on m'a dit ça, mais il n'y a aucun problème au moins. Mais Allah subhanahu wa ta'ala quitte un amanat dans la main, ayyuhan nas. Message-là pour toute l'humanité. Mais seulement le Coran, il est dans toute la main. Et ben, on n'a pas lié à sa Coran. Qui nous besoin faire? Ça, c'est une indication. C'est que ça, message qui trouve dans le Coran, les nos responsabilités pour nous faire ben, connaître au moins. Mais qui a l'aide cause à toi? Ya Yuhannas. Annas, Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a plusieurs noms. Nous, nature, c'est Bachar. Inni khaliqum Bachar. Mankind, human being, Bachar. Mais qui fait, appelle-nous aussi Nas. Allah fait, nous en tant que nous race, c'est Bachar. Mais qui fait, appelle-nous Nas. Qui appelle-nous Nas? Pardon? Un de ban, interprétation ban, Mufassirin, c'est que Nas est dérivé du verbe Nasiya. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause concernant Adam alayhi salam, falam najid fanasiya falam najid lahu azma. Il fait oublier Allah ce warning. Il fait piégé par le shaitan. Alors donc, par rapport à nos natures, n'oubliez-nous. Donc, dans nos natures, n'oubliez. Vous avez fait rappel. À cause de Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons fait rappel continuellement. Faire rappel qui s'en a. S'en a nous faire rappel. Hein. Nous faire rappel nous-mêmes. Faut pas faire ça réel. Hein? Jamais, gain traka, dit mon avant, gain nous traka. Faire nous-mêmes rappel avant. Chaque jour, nous faisons rappel nous-mêmes. Ensuite, nous rappel ce qui est plus proche, ce qui est sous nos responsabilités. Nous, s'en a. Nos familles, nos madames, nos enfants. Ce qui est plus proche, nos voisins, nos voisines. Et ainsi de suite, nous faire rappel. Parce qu'ils rappellent. Les prophètes, ban qui, ina, iman, wa dhakir fa inna dhikra tanfa al mu'minin. Ya yuhannas. Première petite chose que Allah subhanahu wa ta'ala fin dit, première conversation, première l'autre, u'budu rabbakum. U'budu rabbakum. Abdullah bin Abbas, encore une fois, Abdullah bin Abbas est un grand sahabi qui fin gai sa karamat, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fait dua pour lui. Et un de ban cadeau qu'il fin gagner avec Allah, c'est que Allah fin donne lui ça, il fin perfectionne tafsir, il maîtrise tafsir Coran. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dua pour lui, Allahumma faqqihu fi din wa 'allimhu ta'wil, ou Allah, fait lui comprendre la religion et donne lui la connaissance et interprétation Coran. Il dit n'importe quand Allah peut cause ibadat de Coran, peut cause l'unicité d'Allah. Ado Allah, juif ado Allah,
Juif a de Allah. Actuellement, Juif a de Allah. Juif croit dans Allah. Mais pas sa croyance qui peut amener de Jannat. Juif croit dans Allah. Abu Lahab croit dans Allah. Abu Jahal croit dans Allah. Tout le monde, directement et indirectement, il croit. Il y a une notion de l'être suprême. Le Coran, Surah Al-A'raf, Surah Mu'minun, Surah Zukhruf. Beaucoup place le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, met, veut dire, en, de l'avant sa réalité, qui, djimoun, dans l'instinct, je crois dans Allah. Voilà, in sa'altahum, iblis. Imam Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, il dit que l'instinct humain, dans le sens général, cette notion, le créateur, les plus dignes, les plus honorables, qui certains mouchiriques parmi la communauté musulmane. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Lahab, sous notion concernant Allah, les plus propres qui beaucoup de mouchriquins parmi Ummat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala qui dit وَلَا إِنْ سَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. C'est des mains d'autres qui s'en a fait créer les cieux et la terre. Je peux dire Allah. مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ. Qui s'en a sur la main à l'autorité, tout ce que je peux dire Allah. L'autorité pour Allah. من نزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. كسنا فين ديسان لابلي دي بيلو لسيل افين في لا تي موت فيف زبوجي الله الله سبحانه وتعالى فيدي كونفيرم نوسيون فيدي دو فيدي ليكزيستانس دو لتر سوبريم لي فو بارتي دون لانست انسان مي كي الله بيدي سي اعبدوا ربكم. Mais dire pas faire shirk avec Allah. Ado, lui tout seul, n'a pas associé non rien dans quelque chose qui concerne lui. Et c'est un autre erreur qui nous fait encore. Nous allons résumer ibadat dans namaz. Attends, mon maman peut faire ibadat là. Et cette notion est assez dangereuse. Parce que ibadat est très vaste. Ibadat, ce n'est pas namaz. Namaz, c'est un item de ibadat. Ibadat, c'est l'action de, veut dire, prône l'esclavage pour Allah. Ibada, les dérivés du verbe abada, veut dire abada, abd, abd veut dire esclave. Abada veut dire être esclave. Ubudiya veut dire vivre dans l'esclavage. Nuna, vivre dans l'esclavage, man créature. Nuna, vivre dans l'esclavage du créateur. Nous pas qu'à sortir en dehors l'esclavage. Nous. Soit un esclave pour Allah, soit un esclave pour insan, pour une créature. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa mission, c'est tirer du monde depuis l'esclavage insan pour amener autres vers l'esclavage d'Allah. C'est ce qu'on appelle l'ubudiyya. Comme si Allah peut dire, oh ben insan, retourne vers l'esclavage des autres créatures uniquement. Pas une esclave dunya, pas une esclave lozan, pas une esclave pouvoir, pas une esclave insan, pas une esclave lunia, pas une esclave nonye, une esclave pour Allah subhanahu wa ta'ala. Adore-lui tout seul. Donne-lui ce droit dans tout quelque chose qu'il mérite ce droit. Ubudu rabbakum. Qui fait nous besoin d'adorer Allah? Dans sa verset là, dans le Coran, beaucoup fois, dans beaucoup de versets, il y a ce style. Allah limite de l'avant. Souhaq, limite nous l'obligation vis-à-vis lui, et ensuite lui montre nous, mais qui fait? Qui fait te doit moi ça, l'esclavage là? Qui fait te doit moi ça, l'obéissance? Qui fait te doit moi sa soumission? Parce qu'insan, ce natif a l'incrédit comme ça, quand on te pose question lui, qui fait on besoin faire ça? Qui fait on besoin assiser? Qui fait on besoin débouter? Qui fait on besoin manger? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à nos natures, souvent des fois, les montrez-nous, mais mon petit toi, adore-moi, mais qui fait tout ça, adore-moi? Voilà la raison là. Urbudu rabbakum, qui fait? Parce que c'est Allah même qui, tout quitte chose, c'est à travers Allah, c'est tout quitte chose par rapport à Allah qui nous crée, par rapport à Allah qui gère, par rapport à Allah qui maintenir, Allah qui tout. Donc, عبدوا ربكم الذي خلقكم لي ميم كين كريزو سي الله كري مو كومو كا ادوروس سي الله كري مو كومو كا ادو جيمون جيمون فيفان جيمون مو با
Parce qu'il n'est pas make sense, c'est pas logique. Mais on comprend sa réaction insane. Parfois, on nous doit reconnaissance. Quand on nous donne reconnaissance, on dit, bon, il fait du bien pour moi. Il agit bien, vraiment, on doit aller une reconnaissance. Mais la même logique ici, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait créer toi. Comment tu es capable de reconnaître un autre créateur? Comment tu es capable de soumettre à un autre si il est créé toi? Ça veut dire, adore-moi uniquement, mais préserve mon droit qui m'en a à toi, parce que moi qui crée toi. Parce que moi, mon créateur, te dois moi sa reconnaissance. Te dois moi sa soumission. Te dois moi sa esclavage. Parce que moi, tu es mon créateur. Walladina min qablikum. Wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladina min qablikum. Avant aussi, tout, avant et après, tout ça qui est là, c'est création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il n'a pas fait une crise, c'est insane. Allah khaliqu kulli shay. Le Coran, Allah dit, Allah khaliqu kulli shay. Allah, créateur, tout quelque chose. Apporte Allah toute création d'Allah. Allah fait une créer 11. Jibril, créature Allah. Les ciels, créature Allah. Jannat, créature Allah. Jahannam, créature Allah. Tout quelque chose, créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, le créateur suprême, l'unique. Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, qu'il soit insan, qu'il soit n'importe qui affaire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui crée. La'allakum tattaqoun, afin qu'il doit atteindre la piété. Taqwa. Ça veut dire que si tu obéis à sa lode, taqwa livine avec soumission totale à la volonté d'Allah. Allah, sa volonté limoraine, c'est quoi? Qui nous adore ou pas, fait shirk avec lui. Donc c'est lui qui observe sa l'obéissance, respecter sa l'engagement. C'est lui qui peut atteindre sa degré taqwa. La'allakum tattaqoun, c'est pas afin qu'il nous paie Allah, nous n'a la crainte pour Allah, non. Afin qu'il nous capable de vivre dans limite qu'il est fin tracé devant nous. Il y a la ligne rouge qu'Allah mettait devant nous. Dans nous manger, dans nous habiller, dans nous l'amusement, dans nous logement, dans nous l'étang, dans nous la vie, dans nos jeunesses, dans tout l'aspect de nous la vie, Allah met la ligne rouge. Jusqu'à là. Insan, Islam, avec les autres religions, peine de différence. En gros, si nous sommes capables de faire contraste, une comparaison entre les autres religions avec l'islam, peina différence dans beaucoup de choses. Mais peina veut dire différent dans, mais plutôt la façon qui est différente. Pas la nature des choses qui est différente. Manger, nous manger. Moyer, nous moyer. Badiner, nous gagnons droit à badiner. Promener, nous gagnons droit à promener. Business, nous gagnons droit à faire business. Construire la maison, nous gagnons droit. Gagner pouvoir, nous gagnons droit. Tout qui est chose, peina en ressemblance. Mais qui différencie l'islam avec les autres, c'est la façon. La ligne rouge qu'Allah fait de mettre. Qui n'ont pas fait comme ça. Manger, mais ça, pas manger comme ça. Moyer, dépense de désir charnel, pas comme ça là. Amuser, mais pas amuser comme ça. Jouir de l'argent, mais pas comme ça. Tilka hududullah. Ça, c'est les limites d'Allah. Ben, la ligne rouge. Fala. N'a pas traversé sa limite. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, pour nous atteindre sa niveau, veut dire sa contrôle nous-mêmes, qui ne nous pas transgresse les limites d'Allah, nous devons commencer par être esclave pour Allah seulement. Donc, un djimoun pas être esclave pour Allah, il n'est pas pour capable d'observer les limites d'Allah, et ça, c'est une question qui tous les jours nous trouvons. Beaucoup de gens, ils peuvent prétendre musulmans, mais ils peuvent être taqwa. Parce que, à la base, ils n'ont pas encore vu sa abd, ils n'ont pas encore vu sa vraie esclave pour Allah. Faudrait nous venir un vrai esclave pour Allah, les Allah qui, tous les limites, nous pour respecter. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il travaille au Ruboudiya, 13 ans. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il travaille au Ruboudiya, 13 ans. 13 ans, les fines forment
vrai esclave d'Allah. Dans Makka. Dans Makka, bien tirite la loi, qui contient des qui fait descendre dans Makka. Tout mettre en face l'eau, Rouboudiya. Vin vrai esclave pour Allah. Soumets-toi à Allah. Humilie-toi devant Allah. Obéis à Allah. Et dans la prière pour Allah. Quand la loi descend dans Madina, Mohammed Sassan prend un rotin dans le deuxième du monde. Mohammed Sassan prend un veillé, prend un rappel, discute, prend un espion pour guetter, prend un du monde derrière lui pour guetter ce qu'il peut faire. Automatique soumission vini quand il y a un Rouboudiya. Ça veut dire, Allah peut montrer nous, pour nous, comment nous sommes capables d'être un bon esclave pour Allah. Parce que Rouboudiya, c'est un privilège ça. Pour nous venir l'esclave d'Allah, c'est un privilège ça. Pas donner à tout le monde ça. Un cadeau ça. Un plus grand titre ça. Après, Risalat. Après la prophétie, plus grand titre c'est Rouboudiya. Subhanalladhi asra bi abdihi. Pas dire bi rasulihi, bi abdihi. Quand Allah subhanahu wa ta'ala peut cause jannat qu'il dit, sur la Zukhruf, ya ibadi. D'accord? Quand mon prophète, je ne passe dans une bantesse, Ayyub alayhi salam, qui Allah fait dire, ni'amal, abd. Donc, Ouboudiya, c'est un privilège extraordinaire ça. Quand Jibouni atteint Ouboudiya, là, il peut gagner, la'allakum tattaqoun, il peut arriver dans un degré de taqwa. Taqwa veut dire, sa qualité dans nous qui nous capable reste dans les limites, nous pas transgresse les limites. Ça veut dire nous soumettre à Allah d'une façon que nous pas coster avec la ligne rouge. Ça c'est à quoi? Pour qui nous gagne paradis, nous pas gagne l'enfer. Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan. Encore une fois Allah subhanahu wa ta'ala dit réfléchis là qui fait tout ça d'homme. Moi-même qui crée la terre pour vous. Ou Allah dit Sakhara lakum ma fil ardi jami'an. Allah fin crée tout qui te chose, il met dans nos dispositions, dans les ciels et la terre. Alors, parmi les choses qui ici peut dire la terre, firash. Fin faire la terre, firash veut dire plat, comme un tapis. Ou imaginez si la terre s'existe, c'est une montagne, pic. Comme une montagne finie, une montagne finie. Comment tu fais? Allah subhanahu wa ta'ala, il fait la terre, vient comme ça, parce qu'il y a une planète comme ça. Aujourd'hui, nous persistons dans nous la carte, nous pouvons guetter dans les autres planètes comme elles étaient. Vous pouvez guetter, vous guetter, vous avez guetter. Dans les autres planètes comme elles étaient. Comment difficile pour ce qu'il est. Allah subhanahu wa ta'ala vient faire la terre unique pour qui nous capables d'élever nos subsistances, pour nous capables de gagner nos risques, pour nous capables de déplacer, pour nous capables d'élever une place meilleure, pour nous capables de protéger nous-mêmes. Déplace pas ici, déplace pas là-bas. Allah vient faire. La terre firashan wa as-samaa binaa et fin fait le ciel Allah fin crée le ciel comme une couverture et le ciel c'est une construction ça c'est pas comme la science dit gaz non le ciel c'est pas gaz lui. Le ciel c'est une construction et dernier recherche scientifique je n'arrive à la conclusion que l'univers, à la fin de l'univers, théorie, mais c'est ma théorie instinctive, ça. Parce que nous, l'instinct, il confirme ce qu'il y a dans le Coran. Dans la dernière découverte scientifique, je dirais comme ça, l'univers, l'existence connue, il termine par quelque chose de réel, tangible. Il n'y a pas gaz. Longtemps, tu peux dire gaz. Science évolue. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fin dire Wassama'a ba banaynaha. Nous fin construire ça, les ciels là. Construction ça. Allah subhanahu wa ta'ala fin construire. Wa huwa alladhi rafa'a as-samawati bi ghayri 'amad. Allah fin lève sa construction sans pilier, sans colonne. Ensuite, sa même construction qui peut casser. تكاد السماوات يتفطرن منه les ciels capables de fêler pas kufr qui va nous faire quand je finis prétendre qu'il y a un enfant sur Maryam
Ça veut dire le ciel, c'est une construction. Allah subhanahu wa ta'ala, fin fait art firashan, wa samaa binaa, fin fait une construction, fin l'évli là-haut. Huwa alladhi yumsiku as-samaa an tazula. Et c'est lui-même qui fait une évli sans pilier. Mais comment les signes dans les airs? Oui, qui fait les signes dans les airs? Parce qu'il y a Allah qui peut garder dans les airs. Parce qu'il y a bizarre colonne. Comment on sait ça? Une dalle pas qu'à signer sans colonne. Mais le ciel peut signer sans colonne. Le non-sens, mais seulement quand nous comprenons, là, il make sense. Il n'est pas capable de signer sans colonne, ça, le ciel. Mais qui fait, il peut signer sans colonne parce qu'il y a Allah qui peut tenir ça, le ciel. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas signer par lui-même. Le ciel ne peut pas signer par lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala qui peut retenir le ciel là. Si Allah en vit, il descend le ciel là en bas. Si Allah en vit l'orgue le ciel là, il détruit l'existence en entier. Donc Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ça le ciel, une construction. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a le miraj, il se vient. Bah, c'est la pote. C'est la pote. La pote là, le ciel, dans le ciel, il y a la pote. Rentrer, sortir. D'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait une crise à les ciels. Il dit, oh, guettez, farji' al-basar. Vous êtes un regard dans les ciels. Hal tara min futur. Est-ce qu'il te trouve, qui te fait lire, qui te défaut? Réfléchis. Pour gagner un robot d'IA. Pour nous casser l'orgueil. Pour nous casser l'arrogance. Pour nous casser la mentalité pharaon. Dans l'insan. Dans l'insan, ne tout capable d'être un pharaon. Pouvoir capable de faire nous une pharaon. L'argent capable de faire nous une pharaon ou bien Karoun. Mais c'est casse ça, pharaon qui est là dans l'insan. Comment nous casse ça, pharaon là? Bon, écoute ça, viens là. Retourne-toi vers Ruboudiyat Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il finit de faire favier l'eau, toi. Il finit de faire la terre, une chose plate pour te circuler, pour te provision, pour te déplacement, pour te visite. Pour toi, le faire de ribadat, pour toi, le faire pèlerinage, pour toi, le travail, pour toi, la pêche, pour toi, la chasse. Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite toi. Pour toi, le faire commerce. Ensuite, il fait un laisser une couverte la tête. Allah subhanahu wa ta'ala, sauf avec. Walladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-sama'a binaa'an wa anzala minas-sama'i ma'an. Et Allah fait descendre depuis l'eau, les ciels de l'eau. Le terme Sama, dans le langage arabe, Sama qui veut dire? Le terme Sama, il servit pour deux choses. Il servit pour sa création qui a l'un créé là-haut, dans l'univers. Mais aussi, dans le langage arabe, Sama veut dire là-haut. Tout ça qui est là-haut veut dire Sama. D'accord? Par exemple, Al-Qamaru fi sama. La lune dans les ciels. Est-ce qu'il y a la lune dans les ciels? Le ciel là-haut, lui. Mais la lune, qu'est-ce que c'est? Mais seulement, nous l'engagons, la lune dans les ciels. D'accord? La lune dans les ciels. Ça veut dire, le ciel, ça m'a servi aussi pour montrer là-haut. Donc, quand Allah peut dire, Huwa alladhi wa anzala minas samaa'i ma'an, fin fait descendre depuis l'eau, les ciels de l'eau. Ça veut dire de l'eau là qu'on sort ça. D'un nuage, parce qu'un nuage se trouve dans les ciels. Ça veut dire de l'eau là sorti d'un nuage. À cause il trouve dans les ciels, Allah fin servi, fin fait de l'eau coule depuis le ciel. Ça veut dire le ciel ici, tout le monde qui chose là-haut. Qui chose qui là-haut, c'est les nuages. Mais, est-ce qu'il est possible qui de l'eau fin vite des pieds l'autre qui se rapporte les ciels? Non, depuis en déo, ce qui est capable existe ça de l'eau vient depuis pas dans les ciels dans l'IAS vient dans une place bien sûr, bien sûr. Il faut probable aussi qui savait c'est là il est capable veut dire les deux. Que Allah subhanahu wa ta'ala fait une condition de l'atmosphère avec un mécanisme évaporation qui de l'eau, condensation, la pluie tombée. C'est lui qui vient faire science, il comprend. Possiblement aussi
que dans le commencement, la création de la Terre, il y a beaucoup de collisions, ban météorites qui portent de des milliers, millions et des milliards cubes de l'eau qui fait de miner la Terre. Possible. Beaucoup ban, comment appelle ça? Yo, ban se, hein? Ban comète. Beaucoup ban comète et na rempli de l'eau. Et na glaçon, la glace. Alors donc, mais non, qu'il n'y a contradiction là-dedans. Que Allah subhanahu wa ta'ala, les capables indiquent le ciel ici, Allah fin fait descendre de l'eau, l'eau le ciel, soit que périphé à les nuages, comment capable aussi en même temps périphé à ban comète et ban météorite qui fin pot de qui tient à de l'eau qui contenait de l'eau ou bien la glace qui fin explose avec la terre et de l'eau fin veut dire fin venir à partir de là fin il y a ça système atmosphérique qui fin créé. Allahu a'lam. Pareil comment le fer pas d'origine terrienne ça. Le Coran dit le fer pas d'origine terrienne et la science et la théorie qui confirme ça. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wa anzalna al-hadid. Nous fin faire descendre le fer. Allah subhanahu wa ta'ala fin faire descendre wa anzalna al-hadid fihi ba'sun shadid wa manafi'u lin-nas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fin descendre la pluie pour nous. Si pas c'est la pluie frère. Si Allah subhanahu wa ta'ala retenir la pluie, qu'est-ce qui arrive nous? Tout créature vivant mort. Parce que la base de nos subsistances, qui Allah fin fait ça, vient d'un sunnah, nous avons besoin de l'eau pour nous vivre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala peut donner de l'eau. Reconnaître-li, adore-li, qui s'en donne de l'eau. C'est Allah, mais comment tu adores? Rosse, ça donne-toi de l'eau. Stasila donne-toi de l'eau. Sa zor qui te prie, il donne-toi de l'eau. Sa dimon mort qui te prie, il donne-toi de l'eau. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne de l'eau. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, je t'ai réfléchi, qui s'en a donné de l'eau. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça ici, il mentionne ça dans les autres places. Ici, pas seulement de l'eau, il donne-toi, de l'eau fraîche. Fresh water. Pas donne-toi de l'eau salée, de l'eau acide. Il donne-toi de l'eau qui est capable de consommer. أفرأيتم الماء التي ترون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا. Si Allah si envie tu es capable de faire ça bien salé, somat, acide ou quoi. Allah subhanahu wa ta'ala alors fin de nous de l'eau comme un réseau encore tu as besoin d'eau lit. Parce que la vie dépend de Allah subhanahu wa ta'ala. Ta subsistance dépend de Allah subhanahu wa ta'ala. Anzala min as-sama'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum. Et après avec sa de l'eau là, Allah subhanahu wa ta'ala fin faire ban végétation et ban nourriture pousser. Quand nous pour une végétation tant de l'eau. Si peine à de l'eau, peine à végétation. Si peine à végétation, peine à légumes. Peine à nourriture. Si peine à nourriture, verdure, peine à animaux. Peine à yabivo. Si peine à yabivo, il y a carnivore. Tout ça cycle, veut dire, de la vie là, disparaît. Allah subhanahu wa ta'ala peut rappeler nous, N pour N. Tout ça là, sous contrôle. C'est pour ça qu'il y a un grand démon, il dit, parfois arriver. Assis et réfléchi, nous pensons Allah souban sifat. Pour nous comprendre parfois, Allah souban sifat, Allah le nourrisseur, Allah le tout-puissant, Allah c'est lui qui compte tout, c'est lui qui trouve tout, c'est lui qui n'a capacité de toutes choses. Assis et ouvert les yeux, guide dans la création, est-ce qu'il y en a qui possède Allah son sifat? Est-ce qu'il y en a qui tout sifat qui te connaît concernant Allah? Guette n'importe qui créature, insan, animaux, djinn, montagne, la rivière, la mer. Est-ce qu'il y a quitte création qui rose statue du monde vivant, du monde mort? Est-ce que sifat Allah li fit dans sa bonne création là? Non. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala li unique.
Donc c'est pour ça que un djibon il besoin réfléchir l'eau Allah subhanahu wa ta'ala qui est tout seul mérite qui nous vient sur esclave. Il est tout seul. Nous pas venir esclave statique, nous pas venir esclave du monde vivant, esclave du monde mort, esclave djinn, esclave gouvernement, esclave pouvoir, esclave l'argent, esclave l'honneur. Non, venir esclave pour Allah subhanahu wa ta'ala. Kounou ibad Allah. Vin ban esclave pour Allah subhanahu wa ta'ala. وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. Donc à cause ça, à cause quoi? À cause tout ça qui mon dit à toi là, mon crée toi, mon crée la terre, mon fait la terre d'une façon pour toi capable d'une facilité, mon donne toi de l'eau pour ta subsistance, mon fait verdir, pousser pour ban légumes sortir, ban végétation, pour ban les animaux manger et ainsi qui ban les autres tu gagnes les autres sources de nourriture, de l'eau, tout ça qui est mon fait là. Alors donc tu n'as pas gagné droit associé non rien avec moi. À cause de ça tu n'as pas gagné droit associé non rien avec moi. Mais non, quelle justification vous te faire chirque avec moi? Quand je vous fais chirque, quand je vous redonne partenaire, quand on redonne partenaire, nous trouvons que nous avons besoin de partenaire toi là. Quand on redonne partenaire, quand moi, mon patron, on prend le travail hier, on dit non, tu as besoin de partenaire toi. Quand? Pardon? Quand on n'est pas capable, je connais ou pas capable de faire tout seul. Quand ça a besoin de partenaire, redonne partenaire toi mené. Redonne des dîmes à toi. Et il y a une logique là-dedans. Nous servir partenaire quand? Quand on connaît qui ça travaille là, il n'est pas capable de faire pas un seul djimoun. Ou pas capable de faire pas eux-mêmes. Mais Allah peut expliquer toi, lui, il peut faire tout, lui, il fait tout là. Il n'y a pas de misère qui gagne, une misère qui gagne pour créer le ciel, non. Une misère qui gagne pour créer la terre, non. Une misère qui gagne pour faire tout ça mécanisme dans l'univers marché, non. Mais qui raison tu peux mettre pas avec Allah? Voilà, tu es jaloux, l'Illah, il y a un dadan, pas mettre menti. Puis, non, quelle logique dans mettre pas avec Allah? Puis donc, une raison logique pour te dire Allah a besoin de partenaire. Il y a aussi tout partenaire. Fala taj'alou lillahi andada, n'a pas mettre rival avec Allah ou bien semblable. Ni veut dire un semblable. Allah n'a pas besoin de semblable. Puis même semblable. Ça veut dire pas l'invente quelque chose qui n'a aucun sens. Pas l'invente un autre rival, un autre semblable. Pas le croire qu'il y en a les autres qui sont bizarres avec Allah. Non, Allah tout seul suffit. Parce qu'il y a une cause, quelque chose qui. Il n'y a pas de cause de ses affaires, il y a des causes création des ciels, création de la terre, des causes nourriture. Quand on réfléchit sur la nourriture, l'esprit a brillé. Si on calcule la quantité, chaque seconde, combien de nourriture est besoin pour nourrir la création là? Chaque seconde, combien de nourriture est besoin? On calcule dans la case. Point zou, combien d'argent peut besoin? Combien de bazar vous besoin d'acheter? Combien de pommes d'amour vous besoin d'acheter? Combien de pommes d'été vous besoin d'acheter? Combien de lâcher vous besoin d'acheter? Combien de masala vous besoin d'acheter? Facile ça? 4 enfants, 5 enfants, monsieur, madame, ou une maman, pérez avec vous, facile ça? Oubliez un coup de la coupe, mangez pas couille, là la carrière. C'est un petit la case, 5 dimounes. Ou calcule l'eau, la terre dans l'univers. Sa seconde là, sa seconde là. Combien de nourriture vous besoin? Allah gagne ça. L'esprit pour mailler si nous pensons là. Dans la mer, l'eau, la terre, gros animaux, petits insectes, bactéries, tout besoin de nourriture. Tout qui sont besoin de nourriture. Dans l'univers, les eaux, les planètes, est-ce qu'il y a des animaux, est-ce qu'il y a des êtres microscopiques, tout place besoin de nourriture dans chaque seconde. Pour milliards et des milliards et des milliards de quantités de nourriture pour une seconde. Mais depuis quand Allah subhanahu wa ta'ala peut faire ça pour se dire pour milliards, milliards de secondes là, nourriture là. Depuis comment ça se casse? Est-ce que quelqu'un peut mourir sans manger? Non. Donc, qui fait te mettre associé avec Allah? Allah taj'alou lillahi andada. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite: Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina. Ban kafir, ça vient c'est là, c'est par rapport à
réaction de ban kafir. Ban kafir pas fini un argument zut. Parce que un djimoun quand il est négatif ou, il n'est pas content ou, il est jaloux ou. Ou bien il n'est pas trouve l'avantage dans ou. Ou bien il y a un manque à gagner. Ou bien il peut venir un problème de ceci mais. Normalement il peut faire négatif ou. Normalement il peut faire négatif ou. Quand il fait négatif ou, qu'est-ce qu'il peut faire? Il pour tout la kefler, bon pour faire, bon pour ta ça ou. Il peut tirer tout la zinzam, comme on nous dit dans nos langages. En fait, l'objectif c'est qu'il fait parce qu'il n'a pas envie de venir ça, du monde qui te peut revenir là. Il n'a pas envie de gagner sa privilège. Il n'a pas envie de prendre sa place. De te disturber. Ah ben, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu disturbes en arabe. Tu disturbes en arabe. Là où là, il y a une frustration de ban koufar. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم كيف القرآن ديسان لولي كي دي اتيلي محمد لك ديسان كيف بان ديسان لو ابو لهب كيف بان ديسان لو ابو جهل كيف بان ديسان لو بان سيف قريش كي اتيلي زالو زالو عند بان كي تسوز كي ان بايي كيف جيبون ريبل زالو فريستراسيون جالوزي frustration, l'orgueil. Ça, c'est ban, qui chose qui peut aveugler du monde, qui peut venir dans le barrière, qui ne peut pas accepter la vérité. Alors, je ne tiens tout plan, mais aucun plan pas marché avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a un préparé d'une façon que tu n'as aucune façon que tu es capable d'attaquer lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Pas attaquer lui. Ou capable, moi, je suis capable, cousin d'affaire, du monde pas trop content. Mais c'est ma cause la vraie. Mais ça, c'est une saleté, au moins, je suis allé correct. Pas trouver politicien comme a fait, pas trouver politicien dans ma zid aussi comme a fait. On a dit qu'il était politicien. Politicien, l'osime, avec politicien, avec déguisement insan, déguisement miadi. Tous les deux politiciens aiment ça. Tous les deux fonctionnent pareil, ça. C'est sur l'apparence qui est censée. Mentalité, tout pareil, ça. Général, on va pas cause tout du monde comme ça. Hein? Ah, ben. Quand je ne suis pas capable de confronter ou je ne suis pas capable de challenger ou la vérité, pourquoi ce gonaze? Eh bien voilà, je ne suis pas capable d'attaquer lui de sa personnalité, je ne suis pas capable de faire défaut à lui. Jusqu'à ce niveau-là, je vais descendre. Je vais lui faire un dito. Si il a besoin de faire moquerie avec ou l'écho, il peut faire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît, il aime créateur, tout le monde ne connaît pas. Il ne laisse un défaut dans l'écho Moubarak Rasulullah Sassam pour tes défauts. Qui défaut de Katiriol? Un défaut de Katiriol. Yahoud, il ne retient défaut avec Moussa Alessam, je dis, il n'est pas normal. Il ne fonctionne comme un missier. À cause de ça, il cachette, il baigne. Après, il commence à rire, à faire moquerie. Allah subhanahu wa ta'ala, pas d'accord. Allah subhanahu wa ta'ala, il montre non. Quand tu es avec Moussa, il casse toi. Moussa, ça me plie l'homme parfait qui toi. Pas de gagner de défaut. Pas de gagner de son passé. Il n'y a aucun passé mal propre. Il n'y a aucun passé mal propre. Il n'y a pas aucun problème de ce jeunesse. Il n'y a pas tous aucun tifi. Il n'y a pas de boire. Il n'y a pas de faire non. Il n'y a pas gagner là aussi. Dans aucune façon. Finalement, non. Et puis, cause menti. Il a inventé ça, sa Coran. Pas kalam Allah, ça. Sa parole, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça. Sa parole, ça. Qui parole Allah? Donc Allah subhanahu wa ta'ala répond à sa argument. Oh, sa Coran n'a pas mon parole, sa parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa in kuntum fi raybi mimma nazzalna ala abdina, si tu peux en doute, l'eau la révélation qui nous fait descendre, l'eau Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ok. Allah accepte challenge. Allah subhanahu wa ta'ala accepte challenge. Quand on a la vérité ou pas payer challenge. Quand on a la vérité, il ne faudrait pas ou payer. Il ne faudrait pas ou les gens intimider. Quand on intimide, quand on ne peut pas payer de vous-même. Quand on ne peut pas payer de vous-même, vous n'avez pas mis la lutte. Vous n'avez pas le front line. Elle peut dire hier. Quand on le front line, on a besoin de sire chaque pas qu'il vous fait, chaque mouvement, chaque parole. Jamais capituler.
Si vous voulez la vérité, vous pouvez capituler. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala, al-haq, Allah al-haq, Allah cause vrai. Ce parole, parole Allah, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, peine est réelle là. Peine est bâtil là-dedans. Peine est fausté là-dedans. Kalam Allah, si je t'en ai doute, amenez. Fa'atou bi suratim min mithli. Amen en surah pareil. Qui veut dire amen en surah pareil? Amen en surah. Dans ça, bout de verset, il y a une surah. Dans surah Hud, il y a 10 versets. Fa'atou bi ashri suwarim mithlihi. 10 surah là-bas. Ici une surah, là-bas 10 surah. Fa'atou bi mithlihi. Dans le passage, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a fa'atou bi mithli hadha al-Quran. Amen, un Coran qui est similaire. Il y a plusieurs niveaux de challenge, Allah subhanahu wa ta'ala, fin mette pour l'humanité. Challenge toi. Amen, au moins surah. Qui veut dire amen, en surah? Bien, un arabe, il n'y a pas fait une phrase, un paragraphe. Musaylama al-Kadhab. Musaylama al-Kadhab, le faux prophète. Il s'y déclare prophète. Et les fins prétendent qu'il y a une révélation. Et parmi les révélations qu'il y a une révélation, qui bon une révélation, qui était Al-filu, mal-filu, wa ma adraka mal-filu. Mais Allah dit bien, amène un surah. Allah il a amené. Mais en réalité, qui challenge Allah peut dire ici? Amène un surah. C'est quoi un surah? Pour nous comprendre qui challenge Allah peut dire ici, nous devons comprendre bien. Le Coran n'est pas résumé seulement dans un texte, dans un mot. Le Coran compose beaucoup de choses qui associent avec ce mot-là. Numéro 1, le Coran, c'est la parole, avec un, la parole d'Allah avec une éloquence inimitable. Style Coran, phrasing Coran, veut dire sa flow qui est là dans sa Coran, dans sa ban mot. Pena aucun mot qui flow comme ça, même hadith pas capable, veut dire bouge de sa façon qui texte la bouger. Ça c'est premier qui est différent. Mais pas seulement ça. Un djimon qui pas qu'en arabe, mais il n'est pas qu'en différencier entre le terme arabe et le terme arabe. Il n'est pas qu'en différencier entre phrases. Dit. Parfois, les gens, ils peuvent dans le pourri, ils trouvent un bout de papier, là, les chrétiens arabes là-dedans, et ils disent, vous êtes mon crispé, ça, journal, ça. Mais Jahil, il n'est pas connu, il peut trouver la langue arabe. Là. Mais un vrai arabe, il y a une différence entre la parole qui est dans le Coran, Kalam Allah, avec les autres, Quran, les autres paroles, pas pareil, il connaît, il n'y a pas sonne pareil dans ses oreilles. C'est pour ça qu'en Abu Jahal, avec son équipe finale, espionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam à soi, quand il lit le Coran. Quand on écoutait, on disait non, pas sur parole ça. Mais c'est moi quand il écoutait, il y a sûr qu'il trouve le talent aussi peut venir. Je ne veux pas s'y mettre rendez-vous, ça chacun en cassette, il va le fourner. Pour envie de connaître vraiment qui était ça. Quand on finit, il y a honte, chacun trouve d'autres camarades, ensemble, on écoutait, on disait non. Pas parole Muhammad ça, mais c'est pas God ça s'écrit pas dit. Hein? Ça veut dire numéro N, c'est la différence dans l'éloquence et flow de Saban texte la terre et le ciel numéro N. Deuxième, c'est que Coran sur l'effet l'écho n'est pas pareil comme aucun texte. Quand vous stressez vous mettez Coran ou sentir l'écho décompressé, ou sentir l'écho soulagé, ou sentir l'écho gagne tranquillité, ou sentir la tête arrête de briller, ou sentir calmer. Mais non, aucun texte qui est capable de faire ça, à part le Coran. Mais non, aucun texte qui est capable de faire ça, à part le Coran. Et ça n'est pas seulement temporaire, il se lève, il continue, il pas comme la musique. Parce qu'il y a un thérapeutique avec la musique aussi. En Allemagne, je fais une session
veut dire avec ben dimon malade qui stressé mettre la musique veut dire calmer eux mais c'est massage il temporaire comment que la musique là fini chloroforme là fini je très empiré parce que ça c'est la musique la flûte shaitan pas le Coran non. Troisième spécificité de sa Coran qui Allah peut challenge amène un texte qui est aussi éloquent amène un texte qui fait l'effet l'écho dimon fait le CV veut dire monter fait un chair de poule fait une tranquillité amène un texte qui li guérit ton malade. Il y a des gens qui ont une dépression. Il y a des gens qui sont bloqués. Pose la main, fais bismillah ou lire le Coran. Sur la main, bien. Qui est capable de faire ça? C'est lui qui fait l'expérience. Il fait l'expérience là-même. Ou la tête peut faire mal. Ya Rabbi, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Quand on tient la main, la tête passe. C'est juste le Coran qui est capable de faire ça. Ou bien, si vous avez un djab, vous avez dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Vous trouvez, vous avez sa connaissance, vous avez bien. Qui vous voulez là? À part le Coran, vous avez un texte qui est capable et sa pouvoir, sa la force qui est là-dedans. Amène un texte qui est capable de prédire l'avenir. Qui texte qui a prédit l'avenir par le Coran? Le Coran a beaucoup de prédictions, beaucoup d'informations, beaucoup de secrets scientifiques qu'ils ont aujourd'hui acheté avec toutes ces histoires technologiques qu'ils ne l'ont pas peut découvrir. Après combien de temps acheté ou ben la barbe blanche quand tu vas à l'école tu peux faire géographie tu peux dire où? La Terre, la ligne tourne autour de la Terre, soleil fixe, la Terre tourne autour du soleil. Ben la barbe blanc, quand tu fais géographie, pas tu fais ça même. Après là, quand le télescope est mis en ticket, plus, quand je envoie un satellite là-haut pour observer, on dit non, 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 le soleil aussi bousé. Ah ben, dernière recherche qu'ils ont fini de trouver, la NASA, fini de trouver que l'univers en entier est en perpétuel mouvement. Un tourne autour de l'autre, il tourne et il l'univers est bougé. Mais le Coran, Allah dit le Coran. Kullun sura Yasin, kullun fi falakin yasbahun. Tout qui chose dans l'univers en perpétuel mouvement. D'accord? Donc, le Coran est une information qui dépasse l'intelligence. Qui s'en a pour capable de comprendre? Qui dans le Coran, dans l'époque 2000 ans de cela, 1400 années de cela, qui, après 10 000 mètres, l'oxygène est moins. Ou poumon commence à serrer. Mais comment vous connaissez ça? Personne ne connaît ça au tiers là. Vous êtes comprenez ça. Mais pourtant, dans le Coran, pas de jali. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ سُورَ الْأَنْعَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ celui qui a l'envie d'égaler يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا lui fait son poumon serré كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ pareil comment l'IPE prend l'altitude dans les ciels mais pas c'est un avion mais qui est capable de cause avec une conviction pareille concernant man qui sont scientifiques et là mais amène un texte comme ça, c'est à toi. Amène un texte comme ça. Qui texte, tout texte est un critical analysis. Man critique. Nous capables d'arguer. Nous sommes capables de dire non, ce mot-là, c'est un mot appelé approprié. On fait littérature. Mais causer, un style qui tient un alternatif. Mais jusqu'à aujourd'hui, qui critique qui est capable de venir dire non, c'est un autre idéal dans sa place-là. C'est une lutte alternative à sa moula. C'est une lutte style qui est capable de causer. Pas foutu. Ah ben, voilà une idée, c'est quoi Kalam Allah? Ça amène un pari de venir. Quand on vient, il va nous causer. Ça, c'est le challenge Allah fin fait jusqu'à Yom Al-Qiyama. Fa'il l'aime te falou. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas content. Djibun veut dire perdu les temps. Dimon provoque Allah sa colère pour n'en rien. Manque Allah respect. Vous n'avez pas droit de manquer Allah respect pour n'en rien. Il n'y a rien arrivé de manquer Allah respect à Allah pour de nous. Mais ou vient par l'orgueil, par l'arrogance,
ou persister pour opposer Allah, il y a une conséquence. Tout ce chose a une conséquence. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de droit ou explication. Il n'y a pas de droit ou aucune faveur. Mais si vous pouvez exiger une faveur pour une raison, si vous pouvez exiger une explication pour une raison, et quand l'un de nos explications là, ou continue à faire rebelle, Allah là, pas pour les soins, hein? Allah il continue à tolérer ou faire péché, sans l'autre affaire. Mais on dit Allah, si tu fais ça, moi pour faire ça. Allah pas si droit à toi, mais c'est mal une faire pour que tu fais. Si après ça, tu continues à persister, Allah l'attrape ton place. Pareil comme dans Surah Maïda. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ أو موسى أو عيسى إسكي تو كرياتور جيت جويف سو مونتاليتي زانيمو بلي بون كي زوت سا زوت مونتاليتي نبيكو جينيرال إنا مؤمن إنا كي نريتون في الإسلام نبيكو سا بان موفي بان موفي بارمي زوت لا بلي بيير كي زانيمو سا كيت كومون زوت كوز افيك زوت اك زوت بروفيت تو بون ديي لا با زوت بون ديي سا Tout bon Dieu est capable de descendre nourriture depuis le ciel pour nous. Allah n'a pas droit à ajouter ça. Mais c'est moi, Allah dit, oh, si je fais ça, tu peux amener man, ok. Fa'inni munazziluha alaykum. Je peux descendre manger. Mais seulement, wa man yakfur ba'd. Si après ça, c'était là, je continue. Vivre comme kafir, je ne pas accepter moi comme votre créateur, je ne pas accepter Isa comme prophète. Fa inni u'adhibuhu la u'adhibu ahadam fa inni u'adhibuhu moi pour punir zot une punition qui jamais m'ont puni les autres avant zot. Ça veut dire pareil, je peux challenge Allah qui sa Coran là pas parole Allah. Allah l'a montré son argument, non parole Allah ça. Ah il a tel point. Aster amène une parole. Continue. Tu peux challenge encore. Si Aster là, mon challenge, toi, tu pas amène mon challenge. Bien, attends Aster. Faillem tefalou, walen tefalou. En réalité, jamais tu peux capable répondre à sa challenge. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, si tu pas arrêté, fattakun nar allati wa quduha an-nas wal hijara. Gain traka prêt, sauvé. Protège-toi, fais attention. Un diffé qui a l'air préparé pour ban qui comme dit ban rebelle. Sa diffé là, sa jahannam, il a limé, il chauffé avec des combustibles parmi ban les autres combustibles. Allen dit des pas veut dire il a dit des qui sont qui allaient l'enfer. Quand ben les autres qui sont qui nous pas connus, qui pas concernés, qui nous pas pour comprendre. Parce que l'enfer pas une petite affaire ça. Mais parmi les choses qui peuvent aller me l'enfer, c'est, numéro un, Wakuduhan, Annas, Jimun. Pareil comme dans quatre côtés, trois roches, ou mettre Jibwa. Comme ça, pour prendre Jimun, pour faire l'imine comme Jibwa. Pour faire aller me l'enfer là. Wakuduhan, Annas. Parmi là-dedans, surtout, ban Munafiqin, ban Munafiq, qui là, il a l'apparence musulmane, mais ban gros Munafiq. Vous êtes pour venir, ban branche qui peut aller me l'enfer. Waqoduhan nasu wal hijara et ban roche. Ici, ban roche, beaucoup vont nous faciliter dire un roche spécial ça. Et là, dire tout roche. L'impossible, tous les deux. Roche, parce que dans le volcan, on trouvait roche vin lava, vin d'y fait. Mais un roche spécial qui va nous faciliter dire dans l'enfer, il y en a beaucoup parce que dans l'enfer, rempli hors d'y fait et que la fumée. Et d'une seule qualité rose qu'on lit, brûler et faire la fumée. C'est ça, rose là, ça. Ça même quand, man qui fume, je donne briquet. À ce bout, qui brille, t'appelles ça. Vous voyez? Hein? Sauf ça. Pierre, ça t'y pierre là. Ça t'y pierre là. Ça, avec ça même qui, l'étincelle de l'enfer. Ça. Quand on clique, on ne va pas casse-diver. Après, pas faire la fumée. Ça, ben, nous faisons dire, Allah peut cause sa roche là qui pour remplir l'enfer, pour aller l'enfer. Il fait diffuser la flamme et il fait l'affimer ensemble. Alors donc, voilà ça paragraphe dans Surat al-Baqarah. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la compréhension. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.